vous savez que nous avons lancé le top départ, donc un processus pour changer les cartes grises et les plaques d'immatriculation de notre pays. Mais avant ceci, on était déjà dans un premier processus qui concernait donc les permis de conduire. Donc, après avoir lancé donc, le processus, je suis venu ici, parce que c'est le centre de traitement des immatriculations des permis de conduire dans notre pays pour la capitale. Vous savez que pour les centres de traitement, chaque région a son centre de traitement. Le Ouagadougou, c'est la capitale. C'est là que nous avions toute l'affluence la plus grande. Donc en venant ce soir ici, je voudrais donc comprendre pour donc voir comment nous allons pouvoir développer mieux le traitement du service pour les usagers dans cette direction générale des transports terrestres et maritimes. Nous allons huiler, nous allons arranger, et je suis venu pour cela, pour arranger avec mon personnel, pour essayer de dire aussi que les bébés galeux, parce qu'il y a des gens aussi qui sont corrompus dans le système, nous allons essayer donc de détecter, parce que j'ai mis ici en place une cellule anti-fraude pour essayer de voir comment on va travailler. Mais je peux vous assurer que ici les gens ont fait du bon travail. Il y a des gens qui ont fait du bon travail. Il y a des gens aussi qui sont en liaison avec ce qu'on appelle donc les démarcheurs, ouais, les gens qui sont les boxeurs ici, et qui ont créé des réseaux. C'est ça que nous voulons démasquer. Et permettre aux citoyens qui veulent allègrement avoir un service bien rendu, parce que le gouvernement, c'est notre rôle de rendre bien le service et qu'ils viennent, parce que c'est leur service, et qu'ils sachent qu'ici, il y a un service qui les accueille et qui arrive à les traiter convenablement. C'est ça la mission du gouvernement et c'est ce que je suis venu. C'est chiant, qui accueille beaucoup de gens. Vous allez voir développer des prestations, des métiers d'intermédiaires. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Autant que nous sommes, il y a peu de gens qui acceptent laisser leurs occupations pour venir s'allier ici pour le service. Donc les intermédiaires, c'est un mal nécessaire. Et il va falloir qu'on puisse réorganiser les intermédiaires pour qu'on ait moins de difficultés dans l'accès à nos guichets pour pouvoir accorder un meilleur service à tout le monde.